Bonjour à tous, moi c'est Pascal. Bienvenue sur ma chaîne Magique Pascal. Le tour de magie que je vais vous présenter fait partie de la magie du close-up, c'est-à-dire la magie rapprochée. J'ai travaillé sur cet effet pendant 2 mois à hauteur de 2 heures par jour. C'est un effet magique réglé comme une horloge avec une telle précision qu'il m'a fallu étudier le moindre détail. Petite précision, c'est un tour de cartes qui se fait uniquement avec 4 cartes. Regardez bien jusqu'à la fin car l'enchaînement et le texte va vous transporter dans une autre dimension. À la fin, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, ça permet à la chaîne de progresser. Merci à vous tous et maintenant place à la magie. Un tour de magie avec 4 cartes. Laissez-moi vous présenter les jokers. Ces cartes, comme vous le savez, ont une faculté de remplacer n'importe quelle autre carte, mais aussi de se mélanger entre elles. Regardez, je place un joker face en bas et face en l'air, d'accord ? Face en bas et face en l'air. Par un simple mouvement magique, par solidarité, en un instant, les jokers retrouvent leur position initiale. J'ai été trop vite, alors je vais recommencer doucement. Face en bas, face en l'air. Face en bas et face en l'air. Mouvement magique, que vous le croyez ou non, les cartes sont de nouveau face en bas. Vous l'avez compris depuis le début, il s'agit de mélanger les cartes face en l'air et face en bas, comme ceci. Mouvement magique, et de nouveau, les cartes se retrouvent face en bas. Étonnant, non? Vous voulez qu'on aille plus loin? Alors regardez, ce que je vais faire, je vais laisser des cartes face en l'air et face en bas comme tout à l'heure, d'accord? Et nous allons faire un autre mouvement magique, cette fois-ci simplement en apposant la main sur le paquet, comme ceci. Et regardez le miracle. Si j'étale maintenant le jeu, eh bien nous avons désormais les 4 jokers qui ont pris leur position initiale. Tout à l'heure, je vous disais que les jokers pouvaient prendre la place de n'importe quelle autre carte. Effectivement. Mais ils ont une dernière faculté, celle-ci elle est un peu particulière. Et le mouvement s'effectue grâce au tapis. Regardez, si je frotte le joker contre le tapis, en un instant, le joker s'efface complètement en laissant place à une carte blanche. Alors peut-être que j'ai été trop vite, alors je vais le refaire doucement pour que vous puissiez bien voir. Regardez, simplement frottant. Et instantanément, le deuxième joker vient de devenir blanc. Pour les deux derniers, eh bien, il s'agit simplement de le faire 2 fois. Une fois, 2 fois. Et là, c'est direct. Les jokers sont tous devenus blancs. On continue? Alors effectivement, à ce niveau-là, faire un tour de magie avec des cartes blanches, c'est pas grandiose, d'accord? Alors ce que je me propose de faire, c'est le refaire à l'envers. Regardez, toujours avec la surface, en frottant. Instantanément, un joker réapparaît. Ça, c'est magique. D'accord? Pour le deuxième, c'est pareil. Le plus important dans l'histoire, c'est quoi? C'est le tapis. Eh oui, il faut la surface. Le petit mouvement, et instantanément, le deuxième joker réapparaît. Pour les deux derniers, on peut faire différemment. Simplement en claquant 2 fois dans la main. Et là, instantanément, les jokers reprennent leur place initiale. Ça vous a plu? On va plus loin? Alors, ce que je vous propose maintenant avec les jokers, c'est de vous montrer une dernière faculté qu'ils ont. Les jokers ont une manie un peu particulière de sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire, je m'explique. Si je fais ce mouvement magique, et bien, instantanément, je peux retourner un joker, et cette fois-ci, face en bas. J'ai été trop vite? Regardez. Un deuxième joker vient de se retourner. Et si je fais pareil, 3 jokers viennent de se retourner. Et pour le dernier, vous avez compris, le dernier joker vient de se retourner face en bas. Alors, à force de faire cet effet, je me suis aperçu d'une chose vraiment désagréable, c'est-à-dire, regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit des dos. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les jokers deviennent des dos, et au dos des dos, eh ben, il y a des dos.
Alors évidemment, avec un jeu comme ça, on ne peut pas faire grand-chose, vous allez me dire. Mais rassurez-vous, tout ceci n'est qu'éphémère. Eh oui, car au bout d'un moment, les jokers refont surface, du moins leur âme. Et pour que celle-ci revienne à leur état naturel, il s'agit simplement de frotter à nouveau, et bien sur la table. Et de nouveau, nous avons nos jokers qui réapparaissent comme par magie. Voilà. J'espère que ce tour de magie vous a plu. Alors s'il vous a plu, likez, commentez, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Voilà, cet effet est un tour du livre de Harapan Ong. J'avais fait déjà cet effet il y a quelques temps, mais il n'y avait pas toutes les phases. D'accord ? Là, j'ai vraiment été jusqu'à la fin. C'est un tour qui demande extrêmement de travail, mais quel plaisir à le présenter. Voilà. Merci à vous les amis, je vous dis à bientôt. Bye bye !